tous, ils nous ont tellement manqué depuis cette finale contre l'Argentine. Ce concentré d'émotions gravé dans nos mémoires pour l'éternité. 3 mois et demi, c'est long et les Bleus sont enfin de retour. Vicente, dans ce moment difficile qu'on traverse tous collectivement, et vous nous apportez ce soir un petit peu de gaieté et un moment agréable. Ben, ça fait du bien de les revoir, ça fait 3 mois déjà depuis la Coupe du Monde. C'est un match de qualification pour le championnat d'Europe en Allemagne. Et puis c'est face à un adversaire de qualité, quart de finaliste de la Coupe du Monde au Qatar, les Pays-Bas. Donc une très très belle affiche ce soir. Ouais, toujours avec la défense A4 de l'équipe de France, avec ce milieu, avec la position hybride d'Antoine Griezmann un peu plus défensive. Et puis l'animation offensive avec le trio Mbappé, Kolo Muani, Kingsley Coman. Il y a de la vitesse, de la percussion, ça va jouer sur la profondeur. Et ça sera intéressant de voir cette attaque française évoluer. Et puis rapidement les Pays-Bas, parce qu'il y a beaucoup d'absents, beaucoup de malades. Mais il est bien là, Memphis Depay en numéro 9. Retour à un système qu'aime bien Ronald Koeman, le nouveau sélectionneur. Plein de nouveautés là aussi. Ouais, ils avaient joué à 3 pendant la Coupe du Monde. Là ils reviennent dans le 4-3-3 plus classique à la néerlandaise. L'émotion des hommages aux glorieux anciens, l'émotion de Randal Kolo Muani. Le décalage côté gauche avec Kylian Mbappé. Oh, avec Griezmann, ouais. Il aura fallu attendre 1 minute et 54 secondes pour voir la première passe décisive de Mbappé et le premier but de ces Bleus. Antoine Griezmann. L'équipe de France mène 1-0. But numéro 43 pour l'homme aux cheveux roses. Et on va si le voir. Important avec l'équipe de France. On va le voir, il est à l'origine de l'action par... Il est à l'origine de l'action par son tacle, récupération du ballon. Se rapprocher des 6 mètres de Mike Maignan. Tête de Konaté et reprise sans danger. C'est bien sûr le pied gauche d'Antoine Griezmann qui va enrouler ce coup franc pour l'équipe de France. Et seul Théo Hernandez, opération de Cilesen pour Antoine Griezmann. Oui, il est parti. Et deux, ça fait deux. Parce que Cilesen est passé au travers. Ça fait deux avec Dayot ou pas Mécano. Moins de 8 minutes et les Bleus mènent déjà 2-0. Et cette défense néerlandaise pour l'instant dans le jeu et sur coup de pied arrêté, elle ne nous rassure pas et elle permet aux glorieux anciens de sourire. Voilà, catastrophique. Aucune. Il y a aussi des absents côté français. Ça, c'est bien donné avec ce ballon en retrait. Il est là au premier poteau. Mike Maignan face à Wijnaldum. Mis le pied gauche. Ah, ça, c'est un bon ballon. Mettre le pied droit. Le retour de Théo Hernandez. Très bon retour. Très, très bon retour de Théo Hernandez sans faire de faute. Oui, parce qu'il y avait un gros oubli là sur cette montée de Steven Bergeuys. Ils n'ont pas très, très bien joué là. Le Français a inscrit un triplé lors du dernier match contre l'Argentine. Avec le centre de Kolo Muani. Et moi, Grégoire, j'étais dans le... Par Kenneth Taylor, le centre fort. Heureusement, Wijnaldum manque sa reprise du pied gauche. Talonnade de Depay, pas de possibilité de frappe pour l'instant. Si, finalement, encore Wijnaldum, cette fois-ci le pied gauche. Il a réussi sa tentative, mais Mike Maignan fait bonne garde. Et puis, ça manque de puissance cette frappe là. Un duo qui s'est créé depuis quelques mois entre Théo Hernandez et... Oh, c'est passé. C'est passé. Et voilà. Et la punition immédiate, parce que la défense centrale était encore aux abois et que Kylian Mbappé hérite du cadeau dans le dos des Néerlandais. 3-0. Et on joue à peine depuis 21 minutes. La sanction, elle est encore plus terrible parce que ça allait beaucoup mieux pour les Néerlandais, mais ils sont encore complètement déchirés là en défense centrale, on va le voir. Là, sur ce ballon qui... On en parlera de Lilian et de son émotion de voir ces deux gamins en équipe de France. Le centre de Théo Hernandez et Cilesen qui accompagne du bout des doigts. La mobilette là, elle est partie. Ah oui. C'est comme ça qu'il l'appelle. Pas lâcher ce ballon, les Bleus et le décalage. Allez, jusqu'à Jules Koundé qui va pouvoir centrer fort. Oh, c'était compliqué, elle était un peu derrière lui cette balle qui a Mbappé. Juste sur un petit pas de danse, il a essayé de la reprendre. Ouais, parce que le ballon, il y avait juste un petit rebond. Oh, ce tacle Konaté. Cette fois-ci, il est parti Simon, il y aura Rabiot. Et sorti de Maignan, il en a manqué
Et quoi, 10 cm. Ah ouais. Pas plus pour Memphis Depay au bout de cette accélération néerlandaise et le centre de Xavi Simons. Ah, il y a quand même un bon retour sur Upamecano. Oui. Il est en retard, là, Adrien Rabiot. Mais joué parce que c'était parti, il emmène ce ballon. Retour de Van Dijk qui ne prend aucun risque face à une énième accélération de Randal Kolo Muani. Il fait mal, sur toutes ses accélérations. Il avait déjà armé la reprise de volée. Kylian Mbappé, c'est pas terminé, nouveau centre, Théo Hernandez. Et cette fois-ci, Cilicen vient s'opposer à la tête d'Ibrahima Konaté. On était tout proche du 4-0 pour les Bleus. Oh, il est monté très très haut. Long. Les hommes orange. Bien joué Konaté. Ouais. Une fois, deux fois. Il a cassé deux lignes. Et la troisième, la voilà peut-être. Intérieur, avec intérieur. Kolo Muani. Extérieur, intérieur, extérieur. Et ça a été bien défendu pour une fois par Justin Timber. Ah. De Roon. Van Dijk. Oui, ça aussi, il peut le faire. Il a été touché au moment de sa frappe par le retour de Randal Kolo Muani. Et le dernier petit frisson, le voilà. Il était capable à cette distance de tenter. Dans l'histoire, d'autres ont pu le faire. Il y a le droitier de paille, il y a le éteint depuis 45 minutes. C'est parti avec Memphis de paille. Et ce sera un corner, deuxième frisson. Il ne sera pas joué, ce corner. Ils ne vont pas être contents là-dessus, les Néerlandais. Mais ils vont retourner au vestiaire en regardant le tableau d'affichage géant du Stade de France. Oui, 3-0 pour ce premier match de qualification à l'Euro 2024 en Allemagne. Autant dire que la campagne de qualification pour l'instant. Et retour au Stade de France où les Bleus mènent 3-0 à la pause de ce match contre les Pays-Bas avec Antoine Griezmann, Kylian Mbappé de retour. Et les questions qu'on se posait au début de la soirée, on s'en posait avec vous, Bichente, sur Maignan, sur la charnière, sur Kolo Muani. On ne peut pas juger Mike Maignan pour l'instant, on le jugera peut-être un peu plus. Et vous de Weghorst, on n'a pas trop vu Mbappé. Oh, intérieur, extérieur et intérieur encore. Et il le pousse ce ballon et il ne pourra pas finalement le reprendre d'un petit extérieur du pied qu'il espérait sans doute face à Cilicen. Il avait fait la différence sur le premier crochet, ensuite il fait un deuxième intérieur. Drapeau ne s'est pas levé. Il évite tout. Conservation de ballon. Allez, Kylian Mbappé, le petit rebond bien géré par Jasper Cilicen. On va revenir sur cette récupération de ballon et la conservation de ballon de Randal Kolo Muani entre trois. Une munition très intéressante là qui est proposée au pied droit Memphis Depay ou, on le sait, au pied gauche de Steven Bergeuys. Pas de combinaison là. Et le petit rebond, il n'a pas pris de risque. La manchette de Mike Maignan. Ouais, il a eu raison, Mike Maignan. Il était vicieux ce ballon là qui rebondit juste. De Kingsley Coman, le dragster est parti. Le petit dribble intérieur. Là, il faut du soutien. Kolo Muani. Oh là là. Oh non, la reprise, je la voyais parfaite là. Ah, c'est magnifiquement bien joué là par De Kingsley Coman. D'ailleurs, le Kingsley Coman. Tchouaméni qui a un Upamecano, un Rabiot. Un Rabiot, premier poteau qui vient couper. On l'avait vu. Important, dominant de la tête à la Coupe du Monde au Qatar. Et ajuster tout cela au millimètre. Et toujours même fils de pas. Et cette fois-ci, il ne passe pas par-dessus là. Allez, écoutez le Stade de France. Ah, c'est beau. Oh, on l'oublie, pied gauche cette fois-ci. Oh, Cilicen, face à Kylian Mbappé. C'est avec le centre de Malen et Mike Maignan qui oppose sa jambe sur ce centre en retrait de Daniel Malen qui ne touchera pas Weghorst. Campagne de qualification, c'est passé, il n'y a pas de hors-jeu. Nathan Aké a été pris dans son dos. Moussa Diaby. Il y a position de hors-jeu malheureusement. Ben, on va revoir ça. Il n'y a pas grand chose là. Il n'y a pas grand rythme devant Ilia Moussa Diaby. Il y avait Olivier Giroud. Oh là là, l'hésitation. Mais la punition finale, la voilà. 88e minute, le doublé pour Captain Kylian Mbappé. Oh, il y avait des possibilités devant. Mais lorsqu'il est sur ce pied droit là, en général. Ça fait bouche. 4-0 pour les Bleus. Ouais, la frappe sèche de Kylian Mbappé croisée avec la puissance. Et que Kefren Thuram profite de cette première sélection. Ah oui. Ouais.
la récupération de Khéphren Thuram. Mais voilà, le gamin qui se projette et qui va frapper. Mais celle-ci, il n'y a pas mis toute la lucidité. Oh, vous imaginez. Oui, j'imagine bien. Aïe. En tout cas, vous l'avez poussé. Mais c'est vrai que vous l'avez tenu sur vos genoux, il ne devait pas être très gros, Khéphren Thuram. Je vous confirme. Du groupe ce soir, la Grèce a battu Gibraltar 3-0. Végors. Penalty. À 30 secondes du terme de ce match. Dayo Upamecano. Qualité. Je suis d'accord. Et à un moment donné, le corps humain est fait avec les jambes et des bras. Et les bras bougent quand... Des questions du soir, des nouveautés du soir. 4-0, c'est terminé. Et ils vont tous aller féliciter Mike Maignan parce que les baptêmes des uns et des autres. Il y a Areola, il y a Brice Samba pour aller féliciter le gardien du Milan AC. C'était son premier grand match dans l'après-Loris Bichente. On va rester quelques minutes au Stade de France. Écoutez la réaction de Didier Deschamps, peut-être de Kylian Mbappé. Mais profitez de cette joie-là.